Salut les amis, on se retrouve là sur du Overwatch pour parler, comme vous voyez à l'écran, de Overwatch et des 40 millions de joueurs qu'il y a sur Overwatch. Comme vous pouvez voir sur l'image, vous avez l'image, vous avez les soins, vous avez tout ce qui a été fait pendant tant d'années sur Overwatch. Et on va dire que Overwatch, ça fait quand même... Voilà, il y avait eu le mode, le mode anniversaire, oui, c'est pas qu'on appelle ça, du contenu plutôt anniversaire qu'ils appellent ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le jeu, ça fait 3 ans, je crois qu'il y a 3 ans que le jeu est sorti. Voilà, 2-3 ans, je m'en rappelle plus trop, mais en tout cas, je sais que ça fait plus d'un an facile. Donc, franchement, le jeu le mérite parce que franchement, 40 millions de joueurs, c'est très joli pour c'est un jeu bizarre, c'est le jeu vraiment de qualité. Vous avez vraiment des personnages très intéressants, comme le personnage que j'ai utilisé, c'était mon tout premier personnage que j'ai utilisé au début quand j'ai acheté Overwatch, Zenyatta. Et franchement, je tiens à vous dire qu'ils l'ont vraiment bien amélioré quand même le personnage là. Et ça fait plaisir de revenir sur ce jeu là. C'est vrai qu'en ce moment j'y joue beaucoup comparé à Call of, parce que Call of, c'est vrai que il y a moins de monde dessus, mais bon, c'est vrai que voilà. Overwatch, c'est très intéressant. Et je veux dire, vous avez des personnages très intéressants. Bon, il y a encore quelques soucis à régler, mais je veux dire, dans l'ensemble, le personnage, c'est une tuerie, quoi. Je veux dire, le jeu en lui-même, c'est génial. Il va y avoir un gros patch qui va arriver bientôt. Donc voilà, qui a été sur le PTR, sur PC. Donc voilà. Donc il me tarde énormément de nous voir la nouvelle Symmetra qui va arriver. Il me tarde énormément. Et puis aussi, voilà. 40 millions de joueurs, c'est énorme. Je veux dire, on peut pas dire que 40 millions de joueurs sur un jeu pareil, c'est énorme. Malgré que il y a Fortnite qui a pris beaucoup de joueurs, je sais que je parle beaucoup de Fortnite, hein, ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que c'est Fortnite qui a pris tous les joueurs de chaque jeu. Ils ont pris tous les jeux, ils ont pris tous les joueurs de chaque jeu. Je veux dire, voilà. Mais bon, ça y fait rien parce que là ils ont mis du contenu chaque mardi, ils mettaient du contenu. Donc là ils ont mis du let's play, il y avait le mode anniversaire, il y avait le mode je me rappelle plus trop quoi, il y avait un autre mode aussi, il y avait eu un autre mode. Donc franchement non, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment intéressant Overwatch parce qu'ils mettent pas mal de contenu. Et c'est vrai que bon, Fortnite a pris des joueurs aussi sur Overwatch, mais les joueurs leur sont revenus. Mais c'est vrai que ce jeu-là, il n'a pas perdu de personne, on va dire. Parce que ben voilà, quoi, le jeu est super, quoi. Je veux dire, vous allez dans le jeu, vous cherchez une partie, vous trouvez une partie directe. Donc c'est très amusant, c'est super d'avoir un jeu sur lequel ça fait tant d'années qu'il est sorti. Et il y a autant de monde dessus. Ça fait extrêmement plaisir. Je veux dire, clairement, moi qui adore Overwatch, c'est génial. Bon, après, il y a quelques petits trucs qu'il va falloir qu'ils règlent, comme certains personnages qui sont toujours, je trouve, toujours abusés, comme Hanzo, il y a le Faucheur, tous ces personnages-là, je trouve qu'ils sont un peu abusés et tout. Je trouve qu'ils font beaucoup de dégâts, Bon, vous allez me dire, Zenyatta fait beaucoup de dégâts. C'est vrai, ça j'avoue que Zenyatta, le personnage que j'ai, ça il s'appelle Zenyatta si tu connais pas. C'est un personnage qui fait pas mal de dégâts quand vous l'utilisez vraiment super bien. Et quand vous êtes bien précis avec, je vous garantis que vous faites un désastre. Et en plus il donne pas mal de soins, donc c'est plutôt pas mal. Son super est génial parce que son super, voilà, vous êtes dans une zone, ça produit du soin sans arrêt. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc voilà, donc c'est un gameplay, c'est avec donc Zenyatta. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du gameplay dans les commentaires. Ou quoi, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu-là. Voilà, c'est un jeu génial. Voilà, bon, il y a quelque chose, comme je viens de le dire, il y a des personnages qui sont encore, hein, je pense, à vouloir encore des mises à jour pour les mettre à jour, parce que voilà, il y a certains personnages qui sont un peu abusés. Mais sinon, dans l'ensemble, le jeu est génial, parce que pour moi ce jeu est génial. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est vraiment l'équipe en fin de compte qui est vraiment
qui est vraiment nécessaire, et surtout le healer, parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas de healer, voilà, la partie des fois est soit tu vas la gagner et puis en face c'est vraiment des nuls et tu vas la gagner, mais si la personne elle a minimum deux healers dans la partie, que les personnes qui ont ces soigneurs là soignent super bien, mais je vous garantis que vous faites vraiment le taf. Et c'est ça qui est génial, c'est que voilà, votre vie, vous voyez votre vie baisser, vous voyez votre vie remonter, vous mourrez pas en fait. Et c'est ça qui est pas mal, c'est que le combat dure longtemps sur le point, et vous pouvez faire vraiment des désastres avec suivant les personnages que tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est un jeu que je kiffe énormément, franchement, je kiffe énormément. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, les amis. Donc voilà, comme vous avez pu voir sur l'image, 40 millions de joueurs sur le jeu quand même, donc ce n'est pas rien, c'est un très bon jeu Overwatch, et surtout qu'en plus il a baissé de prix, donc n'hésitez pas, si vous l'avez pas, n'hésitez pas à le prendre, je pense que vous allez vous amuser sur ce jeu là. Moi je te dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter et bien sûr à liker la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, ça me fera extrêmement plaisir, et puis voilà, je te souhaite une bonne fin de gameplay et je te dis à la prochaine, ciao ciao les amis, à la prochaine, ciao ciao. L'adversité offre des opportunités de changement. Regardez à travers les yeux. Contemplez. Une exécution propre. Encore 60 secondes. Accrochez-vous. Venez vous faire soigner. Écoutez ça! En avant le soir! Plus que 30 secondes. Boost de vitesse! Retenez-les! Ne les laissez pas gagner! Les rôles transcendent! Répétition ouvre la voie. Temps additionnel. Meurs. Connais d'instinct ce que tu vois là. Le convoi a atteint le point de contrôle. La sérénité s'offre à vous. J'ai débusqué l'ennemi. J'aurais dû rester planqué. Non! Admirez le travail! Je survole les débats. Petite compile de soins! Venez avec moi. Marchons en arrière. Votre âme est troublée. Place au délicieux. Encore 60 secondes. L'adversité offre des opportunités de changement. Il y a comme un mur. Les ténèbres s'épaississent. Allez, joli train. Plus que 30 secondes. La sérénité s'offre à vous. La victoire est proche. Venez-vous. J'adore votre
potion. Savourez. Domination totale. Ce sera moi. Plus que 10 secondes. Hé, hey, pas question de pleurs. Donnez le coup. Sérieux? Temps additionnel. Prends ça. Personne ne bouge. Méga activé. La partie commence. Rattrapez tes APL. Vous êtes votre pire ennemi. Action de la partie.